Nous ajoutons un autre point maintenant. Nous sommes toujours dans Exode. Nous revenons à Exode 20. Maintenant, le verset 4 et 5. Exode 20, 4 et 5. 4 nous a dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Représentation, c'est là que nous voyons les images qui ne sont pas taillées. Donc, d'abord, image taillée, et puis représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Maintenant, le verset 4 dit, tu ne te prosterneras pas devant telle. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La Bible de Jérusalem traduit bien, dit, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Il s'agit des images devenues dieux, des images divinisées, des idoles. Mais parce que nous regardons l'arche de l'Alliance, le peuple d'Israël s'est prosterné devant l'arche. Mais il y avait les images. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Les enfants d'Israël devaient regarder les serpents d'airain. Alors maintenant, ici, nous disons le troisième point. Toute prosternation n'est pas idolâtrique. Se prosterner ne signifie pas toujours adorer. Dans la Bible, il y a de nombreuses prosternations qui ne sont pas des adorations. Genèse 33, 7. La famille de Jacob se prosterne devant Ésaü. Est-ce que cette famille adore Ésaü? Non. Cette famille le respecte, le vénère comme grand frère blessé, comme oncle paternel blessé par son frère qui lui avait volé le droit d'aînesse. Toute la famille se prosterne devant Ésaü sans l'adorer. Genèse 49, 8. Jacob dit que les frères de Judas se prosterneront devant lui. C'est une prophétie, mais elle va s'accomplir en Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, les frères de Judas a toujours été une tribu considérée, c'est-à-dire une tribu qui avait une importance particulière. Alors les autres tribus d'Israël avaient du respect, de la vénération envers cette tribu, bien avant même la venue du Messie, le lion de la tribu de Judas. 2 Samuel 16, 4, Siba se prosterne devant David. 2 Rois 5, 8, Naaman, le général syrien, reçoit du prophète Élisée l'autorisation de s'incliner aux côtés de son roi dans le temple de Rimmon. Ça, c'est un beau texte. Donc, Naaman, qui était général, dit à Élisée, je viens de croire à ton Dieu, au Dieu d'Israël. Je sais que le Dieu d'Israël n'accepte, est un Dieu jaloux. Mais moi, je suis général. Mon roi prie Rimmon. Quand il va entrer dans le temple et qu'il va s'incliner, vais-je m'incliner avec lui ou ne vais-je pas m'incliner? Le prophète a dit, va. Il lui a donné l'autorisation qu'il pouvait lui s'incliner dans ce temple, mais sans adorer. Et comme il venait de croire au Dieu d'Israël, il s'inclinerait comme général, comme quelqu'un qui travaille chez le roi, mais pas comme adorateur de Rimmon, le dieu païen, parce qu'il venait de croire au Dieu d'Israël. Donc quelqu'un peut se prosterner sans adorer. Donc toute prosternation n'est pas adoration, et toute prosternation n'est pas idolâtrique. On le voit, Dieu n'est pas contre les arts plastiques. Dieu n'est pas contre la vénération des hommes. Un enfant peut s'incliner devant son père. Une femme peut se prosterner devant son mari. Un homme aussi peut le faire pour demander pardon. Les enfants peuvent le faire. Les parents peuvent aussi s'incliner et se prosterner devant leurs enfants pour leur demander pardon. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'adoration. Nous pouvons nous prosterner pour ramasser quelque chose qui est tombé. Nous pouvons nous prosterner pour aider quelqu'un qui est dans... Ce n'est pas de l'adoration. Toute prosternation n'est pas idolâtrique. Toute prosternation n'est pas adoration.
dans la Bible, j'ai montré ici. Alors, sur ces choses, bien-aimés, chers catholiques, maintenant je vous parle. Si quelqu'un vient vous dire, voilà, vous adorez des statues, vous faites ceci, dites-lui. Renvoyez-le à Josué 22:22. Texte facile à retenir. Vous allez jusqu'à 23. Mais retenez Josué 22:22. C'est un beau texte qui mériterait tout un enseignement. Que dit le texte? Les dieux des dieux, Yahweh, les dieux des dieux, Yahweh le sait bien. Et Israël doit le savoir. S'il y a eu de notre part rébellion ou infidélité à l'égard de Yahweh, qu'il refuse de nous sauver aujourd'hui. Et si nous avons bâti un autel pour nous détourner de Yahweh et pour y offrir l'holocauste et l'oblation et pour y faire des sacrifices de communion, que Yahweh en demande compte. Il faut savoir ce qui s'est passé lors de l'installation du peuple élu dans la terre promise. Quand ils quittent l'Égypte, ils arrivent, une partie s'installe de ce côté-ci du Jourdain, l'autre s'installe au-delà du Jourdain. La partie majoritaire est au-delà du Jourdain. Et là, ils érigent un autel à l'honneur de l'Éternel. Et tous vont adorer là-bas. Parce que c'est là que se trouve l'autel qui est comme le temple. Mais après un moment, ceux qui étaient de ce côté-ci du Jourdain érigent aussi un autel. Les gens qui étaient à l'est du Jourdain, l'apprenant, se mirent en colère contre leurs frères. C'est de la rébellion. Nous avons un seul autel. Nous tous, nous devons venir adorer au même endroit. Comment eux, ils ont eu le culot de bâtir un autel de l'autre côté? Ça, c'est la division, c'est la rébellion. Et ils vont se préparer pour aller attaquer leurs frères pour avoir érigé cet autel. Ce nouvel hôtel. Quand ils vont arriver, ils vont leur poser la question, pourquoi est-ce que vous avez bâti cet hôtel alors que nous n'avons qu'un seul hôtel? Vous voulez diviser Dieu? Vous voulez vous rebeller contre Dieu? C'est ainsi qu'ils donnèrent cette réponse en disant, Yahweh, le Dieu de Dieu, Yahweh, le Dieu de Dieu, le sait bien et Israël doit le savoir. Si nous avons érigé cet hôtel, ce n'est pas pour nous rebeller contre Dieu ou pour rivaliser avec l'autre autel que nous connaissons tous. Mais nous nous sommes dit, un jour nos enfants pourraient nous demander, et en quoi est-ce que nous qui sommes de ce côté, nous sommes un même peuple avec ceux qui sont de l'autre côté? C'est ainsi que nous avons érigé un autel semblable à celui qui est de l'autre côté. Pour que quand nos enfants nous poseront la question que, entre nous et les autres, il y a le Jourdain qui nous sépare, nous puissions leur dire, nous sommes le même peuple. La preuve, regardez l'autel qui est là-bas et l'autel qui est ici, ils sont tous semblables. Donc nous sommes le même peuple. Quand ils ont dit ça, ceux qui étaient venus avec l'idée de les tuer parce que c'était des idolâtres, des rebelles, se calmèrent et ils comprirent qu'ils avaient raison. C'est dans la Bible. C'est pour dire quoi? Vous pouvez juger quelqu'un de l'extérieur parce qu'il a érigé un autel. Vous pouvez le traiter d'idolâtre, mais c'est Dieu qui connaît les tréfonds de nos cœurs. C'est Dieu qui sait, chers catholiques, si vous êtes idolâtre ou vous ne l'êtes pas. Et votre cœur doit le savoir. Vous n'avez pas besoin de trembler. Quand quelqu'un vient avec un verset et vous dit que vous êtes idolâtre, je vous ai dit que l'idolâtrie, vous serez idolâtre si votre cœur s'éloigne de Dieu. Et l'idolâtrie, c'est un péché courant. Parce que souvent, nous manquons d'amour envers Dieu. Le prophète Osée le dit, que notre amour envers Dieu, c'est comme la rosée du matin. Notre amour envers Dieu ne dure pas. Nous n'aimons pas Dieu. Et que l'enseignement ici que nous donnons doit interpeller tout le monde. Et c'est là que les catholiques doivent être contents. Parce que dans l'Église catholique, un dimanche, prêchant sur Exode 32, nous n'allons pas nous attaquer aux pentecôtistes. Nous n'allons pas nous attaquer aux protestants. Nous nous attaquerons à nous-mêmes en cherchant aujourd'hui dans nos vies nos veaux d'or, nos dieux que nous adorons, à qui nous donnons la place qui revient normalement à Dieu. C'est ainsi que j'ai dit aujourd'hui, en revenant à l'évangile du jour, en disant, voilà l'évangile de ce jour nous dit,
Si l'idolâtrie est une folie, nous ne pouvons guérir de cette folie que par une autre folie qui est l'amour de Dieu. Nous voulons guérir de l'idolâtrie, aimons Dieu, mettons-le par-dessus tout. C'est l'amour de Dieu qui est la folie qui combat la folie de l'idolâtrie. Soyons des fous de Dieu, aimons Dieu de tout notre cœur et aucune idole ne trouvera de place dans notre cœur. Installons Dieu dans notre cœur, laissons-le régner dans notre cœur. Et l'argent, et le sexe, et le pouvoir, rien ne se disputera cette place avec Dieu en nos cœurs. Que Dieu soit le roi de nos cœurs. Que Dieu s'installe dans nos cœurs. C'est ainsi que Jésus, dans l'Évangile, peut dire à ses détracteurs, il leur dit, « Je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Jean 5, 42. « Je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. L'idolâtrie, c'est quoi? Ne pas avoir en soi l'amour de Dieu. Dans l'évangile de ces jours, le Seigneur explique mieux ce qu'est l'idolâtrie lorsqu'il dit à ses détracteurs, « Je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Jean 5, 42. L'idolâtrie est donc fondamentalement un manque d'amour envers Dieu. C'est en réalité un manquement au premier commandement du Décalogue. Je n'ai cessé de le répéter ici. Un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement. Conférateur Deutéronome 6, 4 à 5. C'est ce que Jésus dit. Je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous l'accueillerez. C'est ça. Nous refusons d'accepter Jésus. Mais nous acceptons tout celui, toute autre personne qui vient en son nom. Mais Jésus qui est venu au nom de son Père, nous ne l'accueillons pas. Jean 5, 43. Commettre le péché d'idolâtrie, c'est mettre sa confiance dans un humain, faire d'un mortel son recours et détourner son cœur de Yahweh. J'ai donné plusieurs exemples ici. C'est ainsi que l'idolâtrie donne aux hommes et aux choses la place de Dieu. L'idolâtre plutôt. L'idolâtre donne aux hommes et aux choses la place de Dieu. Au lieu de donner la gloire à Dieu, il se la donne aux autres ou la reçoit d'eux. C'est ainsi que Jésus dit à ses détracteurs, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Quand nous cherchons que les hommes nous cotent, quand nous cherchons que les hommes nous glorifient, nous sommes des idolâtres. Nous devons chercher la gloire qui vient de Dieu. Nous devons chercher la cote de Dieu, que Dieu puisse nous coter. L'idolâtre idéalise le passé et le futur. Il méprise le présent. C'est ainsi qu'il connaît ce que Dieu a fait hier. L'idolâtre sait ce que Dieu a fait. Oh, du temps de Moïse, Dieu avait fait. L'idolâtre sait ce que Dieu fera demain. Oh Dieu, au ciel nous serons comme ça. Mais l'idolâtre, il ignore ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est ce que Jésus dit ici, Jean 5, 45 à 47, l'évangile du jour. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Car c'est de moi qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, Jésus leur dit, même Moïse là, vous dites vous croyez en lui, vous ne croyez pas en lui. De son vivant, vous l'avez fait souffrir. Vos ancêtres l'ont fait souffrir. De la même manière que vous avez fait souffrir, Moïse m'a fait souffrir. Vous, votre problème, vous n'aimez les hommes de Dieu que quand ils sont morts. Quand ils sont vivants, vous ne les aimez pas. Quand Moïse était vivant, vous lui avez compliqué la vie. Mais quand il est mort, oh, nous sommes les disciples de Moïse. C'est comme ça que vous êtes. Vous ne savez pas ce que Dieu fait maintenant. Vous savez seulement ce qu'il a fait hier. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de nos paroisses. Le prêtre n'est bon que quand il meurt. Le pasteur n'est bon que quand on le déplace. Quand il est là, il est mauvais. Qu'il parte. Et dès qu'il part, ah, il était quand même bon. Hein. Lui faisait comme ça. Au nouveau pasteur, nous allons le faire souffrir en évoquant les qualités de son prédécesseur. Prédécesseur que nous n'avions même pas accepté quand il était là. Ah, maintenant ici on fait. Quand on avait tel prêtre que nous avions fait souffrir, on vivait comme ça. Et l'autre, quand il va partir, c'est lui qui viendra, sera mauvais,
et celui qui est parti sera saint. C'est notre tendance. Nous ne voyons pas ce que Dieu fait maintenant. Nous voyons, nous savons ce qu'il a fait hier, nous savons ce qu'il fera demain, mais nous ignorons ce qu'il fait maintenant. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Nous disons que le veau d'or aujourd'hui, c'est en trois mots. Talisman, temps, argent. Talisman représente quoi? Tout ce qu'il y a comme fétiche, occultisme. Les idolâtres aujourd'hui, ce sont les gens qui cherchent les talismans, les occultistes. Et nous avons dans ce pays les gens qui accusent les catholiques d'être des occultistes. C'est eux qui sont dans des loges. Il y a des féticheurs au Congo, en Afrique ici, qui lorsqu'ils doivent accuser les gens d'être leurs collaborateurs, ils citent des pasteurs. Tel pasteur est venu chez moi, telle personne est venue chez moi. On ne cite généralement pas les prêtres, hein. On cite les pasteurs. Ah, vous avez dit non, on est contre leur succès. Ah, je n'en sais rien. Mais j'ai dit ici que si toi tu es un pasteur, et même les pasteurs entre eux, ça t'accuse, ceci disent à tel qu'il a des fétiches, etc., ou qu'il est allé entrer dans telle loge. Donc l'idolâtrie est là, dans les talismans, dans ces gens qui cherchent des fétiches pour faire les pleins, pour remplir leurs églises. C'est là l'idolâtrie. Et nous nous disons ici, et nous réaffirmons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'eau coule du temple. C'est la bénédiction du Seigneur. Et Dieu dit ici, refuse les mélanges. Il ne faut pas mélanger Jésus avec autre chose. Nous prions que tout ce que nous avons dans nos églises ne nous vienne que de Dieu. Comme moi ici, je suis fier, je le disais encore l'autre fois, d'avoir 300 fidèles, mais que Dieu m'a donné. Je ne suis pas entré dans une loge pour les chercher. Je n'ai pas de fétiche, mais j'ai mes 300 là, que Dieu m'a donné. Je suis heureux. Je ne vais pas chercher 10 000 et aller au Nigeria, aller en Inde, chercher. Non, c'est ça l'idolâtrie. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'un pasteur voudrait qu'il y ait beaucoup de gens? C'est pour sa propre gloire. C'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir du succès. Mais Jésus nous dit, nous devons nous réjouir du petit troupeau. Lui-même dit au petit troupeau, réjouis-toi petit troupeau, car ton Père s'est complu de te donner le royaume. Donc, vous avez un petit troupeau que Dieu vous a donné, soyez heureux. Moi, je suis heureux de mon petit troupeau que Dieu m'a donné. Si c'est Dieu qui leur a donné, gloire à Dieu. Mais moi, je me contente du petit troupeau que Dieu m'a donné. Je n'ai pas de talisman, je n'ai pas de fétiche. Et parfois, je suis heureux, moi, comme pasteur, parce que je vois ça. C'est-à-dire, sans chercher un grand musicien, avec ma petite chorale, avec mon homélie kilométrique, mais avoir toujours les 300 là qui sont là, je me réjouis, je dis, voilà, c'est ce que Dieu m'a donné. Et je suis content. Et je suis heureux. Ah, si Dieu m'ajoute, je serai content. Mais s'il ne m'ajoute pas, moi, je ne vais pas aller chercher des fétiches. Je ne vais pas aller entrer dans une loge pour avoir des chrétiens. Dieu n'aime pas les mélanges. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu et quelque chose d'autre. Et il y a des gens qui sont des féticheurs, qui sont des rosicruciens, qui sont des francs-maçons, qui ont des fétiches et qui critiquent les catholiques d'avoir la statue de la Vierge. Alors qu'ils ont des statues de gens qu'on ne connaît pas. Ils ont la statue peut-être de Bouddha. Ce n'est pas un problème. Ils ont cette statue-là en dessous du lit. Ce n'est pas un problème. La statue de Marie, Marie qui est dans la Bible, qui n'a fait aucun mal. Cette statue-là est mauvaise. La statue de Jésus, elle est mauvaise. La statue de Joseph. Joseph a fait quoi de mauvais? Mais toi, tu as quelle statue? Tu as quelle statue? Ils ont des statues de démons. Talisman. Deuxième lieu de la vérification, de la révélation du veau d'or, le temps. Si nous sommes incapables de donner à Dieu notre temps, et que ce temps-là nous le donnons à nos études, il faut étudier, j'en conviens, à nos enfants, à nos maris, mais nous le refusons à Dieu, parce que beaucoup de chrétiens n'offrent pas à Dieu le temps. Hein. Quelqu'un peut venir même à l'église, il donne son argent, il part, mais il oublie qu'on dit que le temps c'est de l'or, le temps c'est de l'argent, time is money. Donc, il faut offrir aussi à Dieu ton temps pour évangéliser, pour t'asseoir et écouter Dieu, pour prier, pour chercher sa face. Tu es idolâtre si tu ne sais pas offrir à Dieu ton temps. Tu es aussi idolâtre si tu ne sais pas offrir à Dieu ton argent,
Dieu dit, vous ne pouvez pas, Jésus dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. Et Paul le dit bien, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça c'est Colossiens 3, 5. Mais dans Éphésiens 5, 5, on reprend la même chose. On dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Il y a des églises où l'argent, c'est l'argent qui a divisé beaucoup d'églises. Nous avons des prêtres ici à l'église catholique, un jeune prêtre à peine ordonné. On l'envoie dans un village où il a pour offrande que 3000 francs chaque dimanche. Ce jeune-là vient de terminer ses études. Quand tes enfants travaillent à la BCDC, à la banque, je ne sais pas quoi, lui, il est envoyé dans un village reculé. Offrande dominicale par semaine, il a 3000 francs. Et il reste dans ce coin-là. Nous en avons beaucoup, hein? Vous pouvez me dire, oh, il y a un pasteur aussi là-bas. Oui, le pasteur est de là. Mais le prêtre ici a grandi à Kinshasa. Le prêtre a grandi à Lubumbashi. Le chrétien a grandi à Mbujimayi. Mais on l'envoie dans un coin reculé. Il va là-bas travailler. Il a fait l'université. C'est un licencié en théologie. C'est un gradué en théologie. Et il va rester là-bas. Et là, les gens ne voient pas. 3000 francs chaque dimanche. 6000 francs. C'est authentique, je n'invente pas. Offrande. Et là, les 6 000 francs, c'est quand il a vraiment sensibilisé le pauvre. Il a ça. Et il reste là-bas. Et là, les gens n'en parlent pas. Combien des grands pasteurs que nous avons ici peuvent avoir une onction villageoise? Tous les pasteurs ont seulement des onctions urbaines, onctions européennes. Je vais aller prêcher à Londres. Vous avez déjà vu? Rarement, nous voyons des pasteurs. Hein? Un grand pasteur qui descend prêcher au village. Non? Lui va prêcher l'évangile seulement dans les grandes villes. C'est justement pourquoi on l'appelle l'apôtre des nations. Il va seulement dans les nations. Il ne peut pas aller dans les villages. Vous connaissez un apôtre des villages qui va prêcher dans les villages, non? Dans les villages, les petits pasteurs vont prêcher. Nous sommes des grands pasteurs. Nous prêchons dans les grandes villes. Mais dans l'église catholique, moi je suis prêtre ici, mais demain on peut m'envoyer dans des villages. Je vais partir. Et ça, les gens ne voient pas. Et vous allez dire, ah, les prêtres sont des idolâtres. Mais regardez, et quand est-ce que l'argent a divisé l'église catholique? Nous sommes là depuis des années. Mais quand vous suivez les églises ici, c'était toujours le pasteur adjoint de tel qui a quitté, qui a créé son église. Pourquoi? Le partage n'était pas bon. Le partage était inégal. Le pasteur prenait la part du lion. Et l'autre s'est fâché, il est parti, il a créé son église. Maintenant, lui-même, c'est lui qui gère sa marmite à cause de l'argent. Les gens sont divisés à cause de l'argent. Parce que regardez les églises de réveil. Ces gens-là ont quitté l'église catholique. Ils ont quitté l'église catholique. Ils ont dit, l'église catholique nous trompe. Pourquoi est-ce que toutes ces églises ne s'unissent-elles pas? C'est la question de l'argent et du pouvoir qui sont élevés en idoles. Ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait un seul responsable. Que tout soit en dessous de lui, sous ses ordres. Non, chacun veut être chef. Chacun veut diriger. Et ils trouveront même des théories, même des versets bibliques pour soutenir cela. Moi, j'ai mon ministère. Quel est le ministère que toi, tu peux avoir qui n'a pas de fondement dans toute l'Église, qui ne unit pas, qui ne rassemble pas? Donc aujourd'hui, c'est l'interpellation pour dire aux gens, voilà, vous qui êtes des églises de réveil, ne regardez pas seulement les statuts qu'il y a dans l'église catholique, mais regardez les statuts que vous avez érigés. Il y a des églises où on ne peut pas contester le pasteur. On ne peut même pas lui poser des questions. C'est son histoire. L'église est son histoire. Il n'a des comptes à rendre à personne. Mais nous avons des comptes à rendre à l'évêque. L'évêque a aussi au-dessus de lui quelqu'un à qui il doit rendre compte, et ainsi de suite. Voilà. Bien-aimés, c'est une grande interpellation pour nous aujourd'hui.
où est l'idolâtrie. Que chacun rentre en lui-même. Je ne voudrais pas que cet enseignement soit seulement et seulement un caractère polémique. Je voudrais qu'il ait un caractère interpellateur. Que chacun revienne en lui-même et se pose la question, est-ce que quelque part je ne suis pas idolâtre? Et se posant cette question, si tu trouves que tu es quelque part idolâtre, Dieu t'appelle à la conversion. Dieu nous appelle à la conversion. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Amen.